Ouais, au milieu. Toi, à cheval, sur le, là, là, et intersection. Ok, c'est bon. Oh. Ah, du coup, merci. Non, mais c'est bon, rangé comme vous avez besoin au niveau des tenues. Oui. Du coup, là, vous organisez comment? C'est la première tenue et après vous ramenez ou oui, vous faites comment? Pour les premières chansons, la première tenue là, et la deuxième. Et là, en fait, c'est dans l'ordre que ça vient. Ouais. Après,
de musique, mais non. Tu as bien la petite, un peu. Non, non. Là, tu avais la musique. Plus ah ouais, 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 ok. Ils entendent pas dès qu'on est le temps. De quoi? Dès qu'on joue, ils entendent plus. Ouais, ok. Ou une fois. On essaye. Salle Baudreau à Falaise. Ah oui. C'était quand? 160 personnes. Ah bah c'est bien. Ah oui, c'était beaucoup à l'époque. La demande, c'était quand, Eva? C'est... Premier concert, c'est 89. Ah, c'était même pas Madame Guillotine, mais c'était Montefou. Ouais. On se rendait à peine compte, voilà, on était encore, moi j'étais encore à l'école, on ouais. Jouait devant les copains. Les T'avais quel âge pour savoir? Ah oui, 16 ans, voilà. Complètement inconscient, et on avait bouffé le pognon à la foire de Caen. Ouais. On a été faire bah, d'accord. Les manèges avec les gars. Voilà. Alors, Madame Guillotine, les anges s'en foutent. Ou cassette ou comme ce soir. J'aime bien jouer putain de show, parce que le public chante en général, donc c'est sympa. À jouer, c'est juste un sourire, parce que j'en fais des tonnes. D'accord. Dedans, je m'éclate à la faire. Et à écouter, des nouvelles du ciel. À écouter, juste un sourire. Juste un sourire. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais ouais, celle-là. Ouais, je le vide un peu parce que, comme en plus c'est moi qui commence, oui. Voilà, il faut pas que j'aille trop vite au départ, ouais. Sinon tout le monde suit derrière à toute vitesse et c'est bourrin quoi. Donc je m'isole, c'est tout, en fait, avec les gars. Puis voilà. De déconner. Ouais. D'essayer de m'en foutre et de. Comme ça me permet de pas. Voilà. Et on a déjà deux autres qui stressent. Oui. Et après un concert, t'es comment? C'est la pression qui redescend, ouais. Je suis un peu comme Jean-Marie, j'ai envie de
après je veux garder ça pour moi, donc ouais, rentrer à la maison et puis voilà, repenser à ça. J'espère que ça va bien se passer. Bah, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Bon, bah écoute, on va te laisser seul et puis méditer sur toi-même et puis voilà. Ah oui. Parle d'un truc, quoi. Profite. Refais et profite. Profite plus. Surtout les gonzesses. Ah bah j'étais pas là. Allez, suivant leur tronche, 1920. Petit papa Noël. Putain de chauffe. Mais non, ça c'était bien marré. Pas de reprise ou quoi que ce soit, vraiment la première originale. Je connais ma guillotine depuis à peu près 2 ans. D'accord. Et... parce que moi à la base je suis organisateur de concerts. D'accord. Là je suis allé voir ce soir parce que je les adore et puis et je les ai déjà fait jouer donc 2 fois sur un festival qui s'appelle le Normandie Metal Fest. Ouais, quasiment presque au début. 5 ans. Ouais, à peu près 5 ans. Une dizaine d'années. 3-4 ans, je dirais. Enfin, 30 ans. 30 ans, ouais. La guillotine, bah, depuis le début, parce que je suis depuis le début. 5 ans. 2005. 20 ans. Il y a 3-4 ans, à peu près. 8, 2 ans. Il y avait une fête de la musique, oui, la raison. Même avant, avec Fred. AM. D'accord. Bah, c'était au Normandie Metal Fest, il me semble. Et en fait, j'avais déjà écouté. Parce que moi, avant de prendre un groupe en concert, ouais, oui. J'écoute pas mal. Et en fait, je les avais découverts parce qu'ils avaient enregistré un album chez Marc Varèse, batteur de Vulcain. Oui. C'est comme ça que je les avais connus. J'avais écouté la première fois. Et puis le fait de les voir en concert, c'était que du bonheur, quoi. Énorme. Quai des Arts en 2010. Avec ce dernier. Et le 5 décembre 2015. Ah oui, c'est précis. Voilà, ouais, au Quai des Arts. Première partie Vulca. À Louviers, je crois. C'était l'année dernière, c'est ça? Ouais. C'était la fête de la musique, mais alors je sais plus quelle année. À la Bayard. C'était... je pourrais pas dire année, je sais plus. Oui, ce soir. Bah, il y a un début à tout, j'ai envie de dire. Exactement. À la fête de la musique, si je me rappelle bien. D'accord. Ta tronche. Maman, je filme. Je filme, merde. Vous aimez? Très bonne. Tine. Ouais, ouais. Vous aimez bien? Elle est très bien. Ouais, très bonne. Très bonne. Ah bah oui. Vous aimez? Oui. Elle est de chez nous en plus. Donc, bah pas oui. Loin de Saint-Brice. Elle est très bonne. Tine. Non justement, je vais en acheter pour moi et mes potes. Ouais. J'en prends une, je l'achète, je la bois à la maison. Voilà. Ça sera mieux. T'en penses quoi? J'ai pas encore goûté. Bah vas-y. On peut voir tes réactions en vidéo. En direct. Alors? Très très bonne et ça passe crème, merci. Par contre, Lisa, continue. Bah, continue d'aller à lancer. Voilà, et puis longue vie à Madame Guillotine. Bah, longue vie, merde pour ce soir. Puis, oui. Super, après tout ça, ça va péter. Ça va péter d'enfer. Bah, je suis en direct, continuer comme ça, et c'est super. Merci.
merci pour ces 25 ans de bonheur et continue comme ça. Bon courage. Bon courage. Bah, j'aime bien. Je vais continuer de narguer mes potes avec Madame Guillotine quand j'irai à leur concert. Bah continuez comme ça et c'est mon thème. Voilà. Seb, continue, c'est bien, t'as raison, c'est du plaisir. Eh bien JDR, merci pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et je souhaite que ça dure encore très longtemps. Bah, c'est ça, je te dis tout le meilleur et puis un bon anniversaire pour leurs 25 ans. Toujours tout à fond comme d'habitude quoi. Faut rien lâcher, on continue. Oui. Voilà. Qu'ils fassent un très très beau concert parce que je viens de loin pour les voir. Vous venez d'où? Montpellier. Ouais, qu'ils nous fassent un putain de show. Putain de show, une bière de bière. Sans hésitation. Pas une spécialement qui va sortir du lot, c'est plutôt le thème en règle générale qui va être intéressant. D'accord. Pour votre question sociale, enfin la société actuelle, je pense que c'est intéressant quand même de s'intéresser à ça. Oui. Voilà. Un sourire. Enfin, juste un sourire, voilà. Moscou. Moscou, c'est... Moi, c'est... Ça sent bien métallique. Ouais. Guitare métallique. Et voilà, ça reflète... c'est top, là. Un sourire. Juste un sourire. Il y en a plein. Ou tes chansons. Vas-y, ton top 5, par exemple. Joanna. Stop la machine. C'est la peau sur les os. D'accord. La peau sur les os qui est vraiment bien engagée quoi. Et qui dénonce pas mal de choses. Et c'est ça que j'aime aussi chez eux, c'est leur texte oui. et la façon dont ils sont engagés. Et puis j'adore aussi sur Politique Circus des Nouvelles du Ciel. Oui. Avec le clip aussi qui était génial. Et voilà. Bah, il y a les Nouvelles du Ciel. Surtout Monica au Bang. Je crois que c'est celle que Sébastien il chante. Putain de show.
arrivé. Je l'ai tant attendu. Le marchand de gloire est passé. Mais j'ai toujours su. Bien sûr que mon corps. Vous mettez votre cœur.